Aigle Azur, c'est la plus ancienne compagnie aérienne privée européenne. Elle a été créée en 1946 et c'est aujourd'hui la troisième compagnie aérienne française qui a transporté l'an dernier 1 700 000 passagers à l'aide d'une flotte de 11 appareils et qui vient d'ailleurs de renforcer, nous venons de renforcer notre flotte puisque dans quelques jours maintenant, nous aurons 13 avions de la famille Airbus 100% 320, donc 319, 320, 321. Maintenant, dans un premier temps, nous avons ouvert l'île Alger à raison de 2 vols par semaine. Puis nous avons renforcé durant toutes les périodes estivales où la demande en tout cas plus importante se faisait sentir. L'an dernier, nous avons ouvert l'ouest de l'Algérie, une première fréquence Lille sur Oran, et cette année une seconde sur l'ouest, encore plus à l'ouest, puisqu'il s'agit de Tlemcen, qui ouvrira à raison d'un vol par semaine tous les mardis à compter du 14 juin prochain, opéré en Airbus A320. Et la destination finale des clients, donc, elle répond naturellement et comme toute ouverture de ligne chez Aigle Azur, à une demande du marché. Dans un premier temps, c'est une ligne saisonnière estivale et je l'espère, c'est tout le mal que je souhaite, c'est que cette ligne soit maintenue tout au long de l'année. Si nous renforçons notre présence au départ de Lille, déjà ce n'est pas pour rien et ça montre l'importance que Lille tient dans l'activité et naturellement dans notre cœur. C'est important puisque nous avons ouvert, encore une fois, depuis 7 ans. Depuis le début des vols réguliers, quelques mois après l'ouverture de Paris, nous avons ouvert au départ de Lille. Donc ça prouve l'importance qu'a Lille pour nous. Ici à Lille, donc c'est un aéroport et un terrain que je connais bien et c'est toujours un plaisir de venir ici. Une ouverture sur Tlemcen, bon, ça permet de s'agrandir plus sur le pays et d'avoir au moins des avions qui partent sur l'ouest, donc c'est pas mal. J'habite à Alger. Bah, pour ceux qui habitent là-bas, c'est une très bonne nouvelle. Bah, moi, j'ai quelqu'un de la famille qui part sur Constantine ou sur Tlemcen. Par contre, eux, ils sont intéressés par la nouvelle ligne qui va ouvrir. Moi, ça fait 27 ans que je suis sur l'Algérie et ça fait très longtemps maintenant que je prends Aigle Azur, sans aucun souci. Les vols sont généralement à l'heure. J'ai plusieurs fois que je l'ai pris, je n'ai jamais de problème. Les e-tests, ils sont bien et tout ce qu'il faut, ils sont vraiment bien. On nous sent bien reçus. C'est moins cher, c'est efficace, c'est bien. On vient de Belgique, c'est pas loin. Très bien. Depuis que je connais Aigle Azur, très bien.